Dimanche, le parc Lecoq de Biganos accueillait une nouvelle édition du Village des Associations. Danse, football, musique, théâtre ou encore sport de combat, 74 des 124 associations boyennes étaient représentées ce jour-là. Les habitants de la ville sont venus nombreux les rencontrer et faire le plein d'activités pour le reste de l'année. Comme chaque année, depuis que nous avons les responsabilités de cette collectivité, nous faisons le village des associations le premier week-end qui précède la rentrée scolaire. Donc nous attendons, c'est demain la rentrée, mais les parents sont déjà très nombreux ce matin pour venir voir les associations, s'ils font de la ils y mettront leurs enfants à la culture, au sport, à la vie associative, bref, ils peuvent rencontrer, il y en a aujourd'hui 74 représentés, nous avons 124 associations à Biganos, il y a plus de 6800 adhérents, ce qui est assez énorme pour notre ville. Il y a une ville excessivement dynamique et il y a un panel de sport à pratiquer, de culture, pour la culture, bref, les parents peuvent trouver pour leurs enfants toutes sortes d'animations et surtout d'occupations, mais également pour les adultes. C'est un rendez-vous pour les adultes et puis c'est l'occasion aussi de leur dire que c'est un lien social important et pour nous, on le voit ce matin, c'est un succès comme d'habitude énorme et en plus nous avons un temps splendide comme nous avons eu cet été, la rentrée s'annonce bonne. L'association Artambule est une compagnie de théâtre qui propose des cours pour tous âges. Donc des cours pour les tout petits enfants avec Karine qui a une spécialisation petite enfance, donc de 4 à 7 ans. Des cours ensuite pour les pré-ados et les ados jusqu'à 17 ans et ensuite pour les adultes jusqu'à... voilà. Sans limite. Nous proposons également des spectacles assez régulièrement dans l'année. Nous proposons des formations basées sur la prise de parole au sein des entreprises. En fait, tout ce qui, à partir de techniques théâtrales, peut permettre aux gens de, voilà, d'évoluer, de se sentir mieux, que ce soit dans les ateliers ou dans leur travail. Bonjour, je me présente, je m'appelle Nicolas Bareille, je suis le président du club, enfin plutôt le co-président puisque j'ai Denis Gamberto qui m'a rejoint cette année avec moi. Nous sommes aujourd'hui ici pour présenter la SFBB, alors c'est l'association football Biganos Club. Voilà, alors après mais je vous présente aussi mon équipe qui est là, la secrétaire et la trésorière qui donnent des renseignements aux parents. Et oui, il y a eu un réel engouement effet Coupe du Monde car nous avons beaucoup d'inscriptions cette année. D'ailleurs, je lance un appel, s'il y a des bénévoles qui veulent venir s'inscrire à l'école de foot en tant que dirigeant, nous allons les accueillir avec grand plaisir, car je pense qu'il y a un certain nombre d'enfants qui arrivent et on va être très limités. Mais bon, après, c'est un réel plaisir pour les enfants qui viennent se défouler sur les terrains de Biganos. Et après, voilà, c'est un plaisir de donner le sourire aux enfants avec ce sport qui est beau avec l'été qu'on a passé, quoi. L'école de capoeira du bassin d'Arcachon s'adresse aux enfants à partir de 3 ans. Et 3 ans, 5 ans, 6 ans, 11, 6, 11, 10 ans, pardon, 11, 15 ans, et les adultes également sur Lenton. On donne des cours enfants sur Biganos, donc, le samedi matin. Et la capoeira, c'est un jeu, c'est une danse, c'est une lutte. On travaille la partie rythmique, on travaille la partie gestuelle, l'expression corporelle. Et donc voilà, je vous invite à venir essayer. Ça s'adresse à tous les publics, hommes, femmes, enfants, gros, moyens, petits, etc. Il n'y a pas de prérequis nécessaires, de souplesse, de physique, etc. Chacun va à son rythme, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de gala à la fin de l'année à préparer, etc. Chacun va à son rythme, à son envie. Et moi, je suis là pour motiver les troupes, mais il n'y a aucun mouvement imposé, ni de passage obligé. Et donc, c'est le plaisir de chacun et l'envie de pratiquer en fonction de chaque individu.